J'ai reçu un stage pour tout ce qui était mission d'intérêt général en communication. Et après plusieurs candidatures spontanées qui n'ont pas abouti, j'ai découvert donc le réseau social professionnel Lille Agora grâce à mon UFR. Et du coup, je me suis inscrite dessus et dessus, j'ai trouvé un stage donc, pour le service Link. J'ai postulé et j'ai été prise. Si je devais conseiller donc, aux autres étudiants d'aller s'inscrire sur l'Agora, je leur dirais d'abord que c'est assez utile dans le sens où c'est facile de trouver donc, des offres de stage, d'alternance ou même de job étudiant. Les recruteurs peuvent accéder donc, au profil des candidats et vérifier donc, toutes les informations nécessaires. Ensuite, c'est utile aussi parce qu'il y a un module parrainage qui permet, donc, si on a des questions en tant qu'étudiant, se faire parrainer donc, par des anciens étudiants ou même des professionnels par rapport à notre domaine d'activité. Mais aussi, on a accès donc, à plein d'autres choses comme l'actualité d'université, les événements, également donc, des communautés, donc, des groupes, que ce soit par thématique. Donc, par exemple, si on est intéressé par l'entrepreneuriat, il y a un groupe qui s'appelle You Lead Entreprendre. Ou alors vraiment par composante, donc pour avoir l'information donc, de ces composantes. En tant qu'entreprise, c'est important aussi donc, d'aller sur l'Agora, puisqu'il y a pas mal d'informations sur comment former donc, ses collaborateurs ou comment, par exemple, entrer en contact avec l'Université de Lille pour des projets de recherche. Mais également, pour tout ce qui est recrutement, c'est assez simplifié, puisque la plateforme permet de regrouper toutes les candidatures à un même endroit et de les classer assez facilement. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux donc, de trouver le candidat qu'ils recherchent.